Andradwin, visite à Nusubi. Le couple présidentiel est en déplacement à Nusubi Hillville depuis ce matin, où il a procédé à une série d'inaugurations d'infrastructures. Il en est ainsi de la route V1-V2 de 24 km qui relie le quartier de Madir et l'aéroport Fassen, ainsi que de la route Crater à Dar es Salaam. Ces deux projets routiers rentrent dans le cadre du développement du tourisme et les travaux de réhabilitation ont été financés par la Banque mondiale dans le cadre du pôle intégré de croissance. Le président de la République, Andradwin, a rappelé que près de 1500 touristes étrangers par semaine débarquent à Nusubi. L'objectif est de doubler, voire de tripler ce chiffre. Le chef d'État a ainsi annoncé l'augmentation de fréquence des vols aériens qui desservent l'île au parfum.